Vous regardez Télévision UNICEF. En RDC, le premier tour d'une grande campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est achevé la semaine dernière. À Bukavu, au sud Kivu, le gouverneur de la province en personne avait lancé la campagne qui visait la vaccination de 23 millions d'adultes et d'enfants de moins de 5 ans à travers le pays. Les mères ont amené leurs enfants pour qu'on leur administre deux simples gouttes qui leur épargneront les risques de paralysie à vie ou même la mort. J'ai amené mon enfant pour le faire vacciner et le protéger de la polio. La polio cause la paralysie et les enfants doivent marcher sur les genoux. Avant le lancement officiel de la campagne, des travailleurs sociaux ont visité les maisons, les marchés et autres lieux publics pour mobiliser les gens sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants et sur l'arrivée prochaine des vaccinateurs. La RDC est en alerte car une centaine de cas de polio ont été enregistrés en 2010 et 46 en 2011. De plus, le virus de la polio a été diagnostiqué parmi des adultes. La polio, c'était la maladie des enfants de moins de 5 ans. C'est ainsi que notre système de surveillance ne prenait en compte que les enfants de 0 à 15 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le dernier trimestre 2010, on a vu des cas adultes. La situation est partie du Congo-Brazzaville et puis ça envahit la RDC, notamment sa partie ouest. Et cela continue. Jusqu'à cette année, il y a eu plus de 12 cas adultes. Au sud Kivu, la campagne visait la vaccination de plus d'un million d'enfants. Cependant, les agents mobilisateurs et les vaccinateurs se sont souvent heurtés aux préjugés des communautés, souvent réticentes à faire vacciner leurs enfants. Pour lutter contre les idées fausses, le gouverneur du Sud Kivu a reçu en public les gouttes contre la polio. Certaines confessions religieuses dans des zones de santé. Et aussi, il y a certains responsables au fait qu'ils n'affichent pas une résistance comme telle, mais ils affichent quand ils empêchent, par exemple, les enfants d'être vaccinés au niveau des écoles, soi-disant qu'ils n'ont pas l'autorisation des parents. 10 millions de dollars américains ont été nécessaires pour financer le premier tour de la campagne contre la polio. L'UNICEF s'assure qu'une mobilisation sociale efficace est mise en place pour toucher jusqu'aux endroits les plus reculés. L'organisation a fourni également 13 millions de doses de vaccins pour cette campagne. L'UNICEF est responsable de l'approvisionnement de tous les vaccins en RDC en général et au Sud Kivu en particulier, en travaillant étroitement avec son partenaire le ministère de la Santé, à qui nous acheminons ces vaccins. Et ils ont la responsabilité d'implémenter le programme de vaccination. Le prochain tour de la campagne 2011 est prévu pour avoir lieu du 26 au 28 mai. D'ici là, les mobilisateurs sociaux continueront de faire du porte-à-porte pour que les enfants puissent avoir leurs deux gouttes de vaccin qui les protégeront du virus de la polio. C'était Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour plus d'informations, visitez unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.